Bonjour, alors hier soir, la France a un incroyable talent. Vous avez eu Alexis qui a ému tout le monde avec sa voix. Donc, bon, il a même eu le droit à un Golden Buzzer. Donc, tout le monde avait les larmes aux yeux. C'était vraiment un moment très sympatoche. Et juste après ça, ils sont arrivés. Voilà, donc le groupe s'appelle Blonde and Blonde and Blonde. Et donc, bon, ils reprennent des tubes français. Populaire avec un petit accent suédois et puis bon des petits jeux de mots etc. Donc c'est vraiment très rigolo, tout le monde était éclaté de rire. Donc voilà, donc c'était pour dire que vraiment c'est un groupe qui voilà qui cartonne. Alors maintenant c'est très simple, ou bien vous voulez penser vous pensez que c'est un groupe suédois, et hop, vous arrêtez de regarder la vidéo, ou bien si vous voulez savoir qui ils sont vraiment, eh bien, vous continuez juste après. Bon, je vous ai prévenu. Alors, ok, allez, c'est parti. Bon, bah, c'est un groupe qui avait déjà fait pas mal de scènes. Hein. Ils étaient invités chez Patrick Sébastien. Vous pouvez retrouver, donc, il y a plusieurs vidéos d'eux. Donc, ils ont fait le grand cabaret, etc., etc. Donc, voilà, donc, vous avez deux garçons et une fille. Les prénoms, alors, les prénoms, c'est Marie, Claire, et vous avez aussi Edo. Donc voilà, donc ils sont français et ils tournent depuis des années, puisque je crois qu'ils ont commencé en 2012. Ils ont fait le festival d'Avignon, ils ont fait des premières parties de plein de célébrités, Arnaud Ducret, etc. etc. Et puis bon, bah là je pense que dans Un incroyable talent, bon, ça, pour eux, ça va être comment dire, une vitrine supplémentaire, puisque bon. Il y a beaucoup de gens qui les ont déjà vus en concert ou en spectacle plutôt, et bon, qui vont les reconnaître et puis qui disent, mais je les connais, etc. Mais vraiment, c'est très drôle. Bon, je ne pense pas qu'ils puissent gagner donc, le concours, mais je pense qu'ils peuvent aller loin parce qu'ils sont assez rigolos. Bon, et puis la seule personne qui n'a pas trop accroché, devinez qui c'est? Eh bien, c'est le fameux Sugar Sammy. Allez, pour vous abonner, c'est en bas à droite. Bye bye.